message, votre fonction dans le groupe. Bah, moi je m'appelle Antoine, donc nous c'est le Breaking the Text, donc j'ai 18 ans. Moi c'est Tristan, je suis bassiste, j'ai 18 ans aussi. Moi c'est Madeleine, j'ai 17 ans et je suis bassiste. Moi c'est Quentin, je suis claviériste et j'ai 17 ans. Moi c'est Tamia, donc je suis la chanteuse du groupe et j'ai 17 ans aussi. Moi c'est Florian, je suis guitariste et je suis le guitariste du groupe. Deuxième. J'ai oublié de dire moi aussi je suis guitariste. J'ai zappé. Comment c'est formé votre groupe? C'était avec le lycée en fait, on s'est tous rencontrés au lycée et au collège aussi. Et voilà, en fait on a décidé de faire une seconde, il a 2 ans. Et voilà, c'est parti. D'où vient le nom de votre groupe? Antoine. C'est parce qu'en fait, déjà à la base, on voulait un truc en anglais. Donc en anglais, on ne savait pas trop quoi dire. Un verbe, on a pensé ing, verbe d'action. Et après, je sais pas, breaking. Et puis après, moi j'avais dans la tête la musique Message in the Bottle de la police. Et du coup, j'ai pensé au mot Bottles et puis Breaking Bottles. Et un jour, on nous a demandé comment vous appelez, donc on a dit le Breaking Bottles. Parce que c'était la seule idée qu'on avait sous le coup. Et du coup, on a dit ça. Comment avez-vous commencé la musique chacun? Moi, j'ai commencé à 15 ans, je pense. J'ai commencé tout seul, sur un coup de tête. J'ai acheté une guitare et après, j'en ai acheté une autre un an après. J'ai appris tout seul à m'en servir, à jouer. Quoi, avec les autres, après, un peu, on a évolué tous. Alors moi ça fait depuis l'âge de 10 ans que j'ai commencé par la batterie. Puis après ça fait 3 ans que je suis à la basse. Et après je suis mon deuxième groupe avec Breaking Bottles. Moi j'ai commencé à 10 ans je crois et du coup après j'ai continué jusqu'à ce qu'on fasse le groupe. Jusqu'aujourd'hui. J'ai commencé à 13-14 ans le clavier. Et je suis rentré dans le groupe après un an après sa création. Nous on a un gros problème, les gens n'arrivent pas à passer. Et voilà. Hein moi ça fait. C'est pas grave, ça sera sur la vidéo. Depuis 13-14 ans, pareil que je fais la guitare, j'ai commencé. C'est mon père qui m'a appris et du coup après j'ai intégré le groupe. Et puis moi je chantais comme ça un petit peu et du coup ça me faisait plaisir aussi de participer à ce groupe. Vous avez gagné un concours. Expliquez-nous cette expérience. Ah oui, j'avais organisé ça. C'était il n'y a pas trop longtemps. Non, 3 janvier. Voilà. 30 janvier. Ouais. Voilà. Et donc en fait, on nous a proposé, c'était sur Facebook, on nous a envoyé un message et c'était quelqu'un qui s'occupait de repérer des groupes sur Facebook. Et du coup, il nous a proposé comme ça de participer. Et on a accepté. On a réfléchi. Oui. On a remporté en fait la première tournée, on va dire. Il y avait combien de groupes à participer? 9. Oui, il y avait 4 soirées avec 9 groupes par soirée. On a remporté ces deuxièmes tournées. Du coup, on a fait les deuxièmes et on joue à l'étage le 23 avril. Merci. Je l'ai passé. C'est pas voilà. Vous pouvez nous demander des places. En ce moment, c'est répète à fond. Et on va commencer une composition. Donc voilà, on va essayer de finir pour le 23 avril. Vous pouvez nous suivre sur la page. On fait que des répètes en ce moment, donc on va essayer de commencer à composer. Parce qu'il y a bientôt. Et sinon, quels sont vos projets pour l'avenir? Ah, les festivals? Non. Les vieilles charrues, c'est ça? Ah bah Coachella carrément hein. Coachella on a des contacts mais on n'est pas trop ok. C'est loin pour nous, c'est des paysans. Après notre projet je pense être de tenir le plus longtemps sur scène, d'avoir un maximum de fonds. Et de plaire. Et de composer. Et de composer un maximum de musique aussi. Ça c'est le plaisir. Et faire un maximum de scènes. Ça motive. Que ça perdure. Bah ouais. Bah c'est très bien. Bah merci. N'oubliez pas de venir nous voir le 23 avril, on joue à l'étage à Rennes. Il y a un concert ici le 23 avril. Bah n'y allez pas.
C'est la boîte folle. Bah allez ici, et puis. Peut-être vous plaisez aussi. Bon bah voilà.